Le colonel Issiaka Ouattara, alias Ouattao, ancien chef rebelle et commandant de zone, décédé dimanche à New York des suites d'une maladie, était l'un des anciens commandants de zone les plus emblématiques. Principal chef des forces nouvelles, un groupe de rebelles ivoiriens, Issiaka Ouattara, alias Ouattao, a été un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, de 2002 à 2011. En mars 2019, il avait quitté son poste à la garde républicaine pour le commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées. C'est en 1990 que le soldat, imposant du haut de son 1m90, s'est fait connaître au public en participant à une mutinerie. Quelques années plus tard, il fait partie d'un groupe de jeunes soldats menés notamment par Ibrahim Koulibaly qui soutient la prise de pouvoir du général Robert Gaye lors du coup d'État de décembre 1999. Il intègre ensuite la garde rapprochée du général Gaye mais, proche d'Ibrahim Koulibaly évincé peu de temps avant, il est accusé moins d'un an après de vouloir renverser le général, au profit de l'opposant Alassane Ouattara. Il est arrêté le 1er septembre 2000 puis, à la faveur d'une attaque du camp, Ouattao s'évade et part en exil au Burkina Faso où il retrouve Guillaume Soro et Ibrahim Koulibaly, deux autres chefs des forces nouvelles. En 2002, il participe activement à la tentative de coup d'État du 19 septembre opposant la rébellion des forces nouvelles à l'armée loyale au président de la République de l'époque, Laurent Gbagbo. Avec l'échec des opérations à Abidjan et dans le sud du pays, il rejoint les autres rebelles en rapatriant son unité à Bouaké. La Côte d'Ivoire, en situation de guerre civile, est divisée en deux, les rebelles au nord et l'armée loyaliste au sud. Ouattao est nommé chef d'état-major adjoint par Guillaume Soro, le secrétaire général des Forces Nouvelles, FN. Un rapport d'enquête de l'ONU accuse Ouattao d'avoir tiré près de 640 millions de francs communautés financières africaines, 1,45 million d'euros, de recettes annuelles de trafic en tout genre menées par ses hommes à Bouaké. Un autre rapport des Nations Unies datant dès octobre 2009 estime que 128 000 tonnes, 10% de la production nationale d'alors, étaient exportées illégalement par les Konzones vers les ports du Togo, du Ghana et, dans une moindre mesure, du Sénégal et de Guinée. Ce même rapport indique que les activités lucratives informelles d'Issiaka Ouattara ne se résument pas au cacao, mais s'étendent au café, au diamant et à la vente d'automobiles de luxe. Lors de la crise de 2010-2011, occasionnée par le refus de Laurent Gbagbo d'accepter la victoire de son rival Alassane Ouattara au second tour de la présidentielle, Ouattao et les autres commandants de zone parviennent à vaincre l'armée loyale et arrêtent le président déchu dans sa résidence. Sur des images diffusées par les télévisions du monde entier, on le voit aider l'ancien homme fort d'Abidjan à enfiler une chemise. En 2011, après la victoire contre le camp de Gbagbo, les anciens commandants de zone des forces nouvelles intègrent l'armée régulière. Issiaka Ouattara est nommé commandant en second de la garde républicaine. Son rôle est alors d'assurer la sécurité du président de la République nouvellement installé. Il est nommé, en 2013, commandant adjoint du Centre de coordination des opérations décisionnelles, CCDO, une force mixte de près de 800 hommes chargés de sécuriser Abidjan. En 2014, il est envoyé en formation à l'Académie royale militaire de Meknè, au Royaume du Maroc. Durant cette année, Issiaka Ouattara et les autres Konzones sont élevés au grade de lieutenant-colonel au début de l'année 2014.